Never be a bee. Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, les conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Sur la compo tactique, ça ressemble à un 5-3-2. Expliquez-nous ça, Darren. Alors ça, c'est la défense. Et autant je peux comprendre qu'on défende à 5 quand on cherche à conserver un résultat, mais le fait d'entrer, c'est autre chose. Pour être honnête, je pense que les latéraux vont essayer de monter souvent. Ça m'étonnerait qu'ils aient la consigne de ne pas dépasser la ligne médiane.
Et coup d'envoi de ce match. Oh putain. La pauvre. Méchant la mort. Ça sent la frappe. Vous frappez là. Oh, le contre pied que ça va être chaud. Absolument parfaite. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Après cette ouverture du score dans les premières minutes. Si je vous dis qu'à ce stade de la compétition, la fraîcheur pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre. Eh bien, vous avez raison. Quand on arrive au mois de mars, l'accumulation des matchs peut peser lourd dans la balance. Mais vu l'enjeu, tout le monde va tout donner. La bonne passe. Poulsen. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le Feyenoord qui essaye de construire. Il cherche la profondeur. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Heinrich. Adam. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça va aller tout seul. Et peut-être. Oh, la frappe. Et oui, but. Voilà, j'ai vite réagi. Il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Ah ouais, tu sais que si on arrête le coca, on va déjà maigrir d'un coup. Bravo. Mais vraiment, hein. Donc demain, on arrête le coca. Et tout ce qui est gazé. De l'eau droite. Sur un score de parité. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention, messieurs, il faut rester concentré. Un long ballon vers l'avant. Le Feyenoord qui peut avancer. Allez. Il s'est récupéré facilement. Tout reste à jouer dans cette rencontre. Les deux équipes sont clairement coude à coude. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Heinrich. Leipzig qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les... Tente sa chance. Quel arrêt. Spectaculaire. Ah oui, superbe. La tête. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. C'est joué long, attention. La frappe. Oh, c'est dommage, quelle occasion. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. L'ouverture lumineuse.
L'interception, bien joué. Ça ne passe pas. C'est joué dans la profondeur. Il centre, attention. Il faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs disponibles dans la surface. Service dans la profondeur. Il s'impose physiquement dans ce duel. Oh, attention! Oh, l'inspiration! L'arrêt splendide! Oui, il était bien concentré. Bravo! El Kunku. Le ballon dans la profondeur. L'interception au bon moment. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il n'a pas réussi à faire la faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Va-t-il en profiter ? Oh putain, à côté. Quelle occasion! Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il ne se pose pas de questions. Et c'est directement récupéré. Adam qui récupère le ballon. Il était temps. La passe est précise. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score loin partout. Rien n'est joué. L'égalisation a vraiment relancé ce match. Il me semble qu'on signerait tous pour une seconde mi-temps aussi captivante que la première, n'est-ce pas? Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. La seconde période est partie. Jouer long, les récupérations sans se livrer. Nkunku. Long ballon dans le sens du jeu. Bonne lecture de la trajectoire. Oh, c'est bien fait ça! Cherche la profondeur. Voici un bon centre. Quel jaillissement! Attention, danger!
Il a pénalty, ref. Hein. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Grosse. Oh, l'occasion! Pas trop comme ça. Pas grand chose là. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Match terminé, Moucron a gagné 1-0. Allez. Je te jure. Son coéquipier. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Ça joue à gauche. C'est bien intercepté. Et c'est dégagé. Il change complètement de côté. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Il peut tirer. Oui, il peut frapper là. Et le gardien est présent. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Leipzig qui a le contrôle de l'entrejeu. C'est osé. Dans la profondeur. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. C'est une faute, l'arbitre intervient. Et il cède sous la pression. C'est parti. C'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Il est passé. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Sur la gauche. Oh, le bon ballon. Nouveau ballon dans la surface. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. Il est bien placé. Et il perd l'équilibre. Faute, c'est indiscutable. Oui, faute, hein. Même pour lui, c'est un peu loin. Ça m'étonnerait qu'il attente direct. Un mal frappé, c'est dans le mur. Il allonge le jeu. Centre détourné. Allez, on va la mettre. Je pousse ça. Oui, on l'a mis. Dans un trou de souris. Ça fait toute la différence. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Et c'est donc son deuxième but dans cette compétition. On va se nous dessous. 89e.
renverser la situation, mais il va falloir tenir maintenant. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Allez, plus que quelques instants à tenir. Je crois qu'il y a faute, c'est ça. Et évidemment, c'est carton jaune. Ce qu'il n'est pas trop près. Non, quand même pas. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Je casse le jeu. Il prend donc un carton jaune. Le Feyenoord qui compte maintenant deux joueurs avertis. Plus ils sont loin, plus je fais des coups. Ils disent toujours qu'ils ont bien fait. Comment on rit. Ah oui.